tous, on va suivre dans quelques minutes cette rencontre en direct du Vandam Metropolitano à Madrid. Au micro bien évidemment Hervé Matou. Alors place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander, Atlético de Madrid contre l'Espagnol de Barcelone. Vous avez certainement hâte que le match commence. Moi aussi, pour tout vous dire. Entre dans la zone dangereuse, on a une passe lobée dans le dos de la défense. Une action qui ne donne rien. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Oh, bien joué, c'était chaud, il a dégagé. Allez, par-dessus, pas mal. Avec du monde pour reprendre ce centre. Mauvais dégagement là, attention. Griezmann, et non, sa passe est interceptée. Ah, le gros pressing de l'adversaire qui l'oblige un petit peu à se débarrasser du ballon. S'il avance balle au pied. Oh, ça va passer à côté. Ah, il faut dire qu'il y a un bon travail défensif hein, pour mettre un peu la pression. Ouais, peut-être une situation intéressante là. C'est parti dans la surface. Bon, attention, c'est pas fini. Un mauvais dégagement, mal fait. La reprise de volée. Luis Suarez. Ballon perdu par Luis Suarez qui a littéralement offert la balle aux adversaires. Sergi Darder. Qu'est-ce qu'il va faire? La grosse occasion pour prendre l'avantage. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Et ils obtiennent le corner. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Cette tête qui ne va rien donner. Ah, c'est bien défendu hein, surtout. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'Atlético. Changement de possession. Suarez. Ça n'ira pas plus loin. C'est venu en profondeur. Ouais, dans le trou. Là, oh, magnifique! Superbe intervention! Doyen Oblak. Marcos Llorente. Ah, c'est un ballon perdu. Il garde le ballon. Et Oblak, mais qui a relâché. Ah, ça, c'est un bon ballon récupéré. Il progresse. Oblak qui repousse, c'est pas terminé.
repique dans l'axe. Oh, le but! Le but qui est refusé, semble-t-il. Une position de hors-jeu. On va regarder, ça doit se jouer à pas grand-chose. Ballon donné par-dessus. Le centre était bon, mais le danger est écarté. Allez, l'occasion de passer devant. Le gardien qui repousse, attention. Ouais, ça presse haut, attention à ce ballon. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel. Attention à ce corner. Ouais, bonne sortie aérienne du gardien. Oh là, elle fait du bien, cette interception. Ah, le bon pressing qui se traduit par la récupération du ballon. Il s'avance vers la surface. Ah non, finalement, ça a été intercepté. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Le face-à-face, attention! Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Ah, c'est quand même décevant, parce que la contre-attaque, elle était magnifique. Et elle est gâchée sur la finition. Ce manque d'application, c'est n'importe quoi sur la fin. Mauvaise passe directement dans les pieds de l'adversaire. Il est bien du jeu. Ah, il y a tout le couloir là pour l'Atlético. Attention. C'est parti vers le premier poteau. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Ah, il va être dur à rattraper là, attention. Et l'ouverture du score, et c'est signé Luis Suarez. Le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Je vous dis la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Il y va tout seul, énorme occasion. Et le gardien qui écarte le danger. L'équipe qui vient de se faire une belle frayeur avec cette occasion. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu réveillé le public. Melendo, oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Ah, il est bien tiré le corner, là. Le corner dégagé du point. Avec du monde pour reprendre ce centre. Mais non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Récupéré dans le camp de l'adversaire. Il prend sa chance. Ouais, il repousse, ça joue. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Bon, attention, c'est pas fini. Oh oui, le but, l'égalisation. Pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Ouais, bah l'interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Attention, il est tout seul. Encore un but, encore un but. Et cette fois, l'équipe est en train de prendre le large.
On voit tout ça, ce très bon milieu à l'origine. Et pas de détails, hein. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. Et 2-1 donc maintenant. Allez, Antoine Griezmann, la voie est libre. Le centre, premier poteau. Le gardien qui repousse, attention. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Est-ce qu'il va centrer? Ça, c'était dangereux, bonne intervention. Luis Suarez. Luis Suarez, qu'est-ce qu'il va nous inventer? Et la faute, attention à la décision de l'arbitre, parce que là, il a anéanti une action de but. Qui marque? Oh, magnifiquement tiré ce coup franc. On voit ce coup franc, une précision exceptionnelle. Il n'est pas très travaillé ce ballon, hein. Il a une trajectoire régulière. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Il avance balle au pied. Oscar Melendo. Mais non, cette action ne donnera rien. Oh, que c'est bien donné ça. C'est un bon ballon là pour Luis Suarez. Il y a danger. Ouais, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Diego Lopez qui peut capter ce ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Allez, il continue. Griezmann. Attention, si ça rentre, l'Atlético Madrid, le but. On voit ce but, hein. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas vraiment, l'équipe était archi dominée. Elle a su frapper au bon moment. Les joueurs de l'Atlético Madrid qui ont pris le devant. Ballon qui est intercepté. Suarez. Centre de Luis Suarez. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Il avance encore. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et il y en a Black qui ne se laisse pas surprendre. Elle a mis tant sifflé ici. Et pour l'instant, c'est une victoire qui se profile. Alors, offensivement, pas de souci. Hein. Ça a été un véritable festival. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est parti pour la seconde période. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Griezmann. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il prend sa chance. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes, il fallait avoir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Antoine Griezmann. Oh, il a enrhumé le défenseur. Oh, il a volé. Oh oui, magnifique.
Oh, le ciseau, c'est splendide! Fantastique, le geste parfait! On n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but! On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Sous la pression, il arrive à conclure. ...4-2, avance de deux buts au tableau d'affichage. Les 30 derniers mètres. Allez, faut centrer vite. La bonne sortie de Yann Oblak qui écarte le danger du point. Et oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Sergi Darder. Ah, ils sont tout proches du match nul maintenant, plus qu'un but. Splendide hein, cette frappe, on la revoit avec plaisir. Impeccable, trajectoire tendue, rien à dire. Oh, le festival qui continue, hein. C'est complètement fou. Antoine Griezmann. Le bon tacle et ce ballon qui sort en touche. Coquet. Est-ce qu'il va centrer? Quelle occasion! Oh, il ne fallait pas la rater! Il ne fallait pas la rater, même si finalement c'est pas si grave que ça, parce que le but aurait été refusé, hors jeu signalé par l'assistant. À suivre prochainement, il y aura de la Liga espagnole avec cette rencontre. Atlético de Madrid accueillera. Diego Lopez est là! Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. L'Atlético Madrid, le but. On voit le corner qui a amené le but. Et la conclusion, cette frappe puissante à mi-distance, imparable. Le score qui est de 5 à 3. C'est deux buts d'avance, précieux. Entre dans la zone dangereuse. Allez, on est en bonne position là pour centrer. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Il progresse. Ah, il y a quelqu'un en premier poteau. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon.
Yann Oblak, sans problème. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Le centre donnera rien, dommage. Et Yann Oblak qui ne se laisse pas surprendre. Ah, vous devez être comme moi. Et de vous tarder d'être devant cette rencontre. Belle position en perspective. Ouais, pas de soucis. Le gardien qui capte bien ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? L'action qui se poursuit. Allez, pour qui ce centre? Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Oblak qui repousse, c'est pas terminé. Allez, c'est le moment de faire parler le jeu de tête. Ouais, bien tiré ce corner. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Ouais, c'est un petit peu téléphoné là, la passe. De Thomas. Oh, bien joué le gardien, magnifique. Et on va y retourner, nouveau corner. Ah, il est bien tiré le corner là. Yann Oblak, sans problème. Un type local qui a vraiment beaucoup de mal à mettre le pied sur le ballon. Les statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Cette équipe mène au score. Elle va peut-être gérer son avance maintenant. Ouais, bonne intervention, assez autoritaire. Et il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Ouais, la tête est sans danger. Hein. Assez difficile quand il y a autant d'adversaires autour. Thomas. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Le centre à destination de ses partenaires. Il y a un coup franc pour l'Atlético. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Ah, il a trouvé son partenaire lancé. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ça peut être dangereux, là, s'il lance la contre-attaque. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Oh, le ballon qui heurte le poteau. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Allez, on voit ce but marqué en deux temps, le ballon qui heurte le montant. Il fallait être là pour terminer le travail. Ça fait donc 5-4. Un véritable festival offensif aujourd'hui, magnifique. Un bon espace directement dans les pieds de l'adversaire. De Thomas. Tir. Aido Black, mais qui a relâché. Oh, attention, c'est pas fini. Oh, l'arrêt de Yann Oblak. Oh, magnifique, il a été décisif, le gardien. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ouais, l'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Coquet. Griezmann, c'est une balle de but ça. Oh, magnifique, l'intervention. Superbe réflexe dans les buts. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. David Lopez. Attention à la contre-attaque. Sergi Darder.
Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Attention à ce ballon récupéré là, très haut. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ouais, bien le tacle. Ce sera une touche à suivre. Oscar Melendo. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps. Oh, il va filer au but. Ah, mauvais dégagement là. Attention. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Ce sera une touche. Du mouvement au bord de la touche. Luis Suarez qui a toujours le ballon. Ah, c'est une faute qu'on va qualifier de tactique puisqu'elle interrompt cette attaque. La faute au ralenti, on voit le joueur se jeter sur ce tacle. Oh, parfaitement capté par le gardien. Ce coup franc ne donnera rien. Sergi Darder. Elle passe lobée dans le dos de la défense. Cherche une solution là. Au centre, il y a du monde. Mauvais dégagement, mal fait. Oh oui, magnifique! Oh, le ciseau, c'est splendide! Fantastique, le geste parfait! On n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but! Et avec ce but de l'égalisation, ça fait 5 partout. Bonne anticipation sur cette interception. Attention, il y va tout seul. Ouais, il repousse, ça joue. De Thomas. Ouais, le ballon qui est perdu. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Ils attaquent, une belle occasion de mettre la main sur le match. Il continue sa progression. Attention le tir. Mauvaise relance. Oh le but! Oh oui, le but incroyable! L'équipe qui prend l'avantage en fin de match. Elle était réduite à 10 et elle parvient à passer devant. L'Atlético Madrid qui va devoir courir après le score. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Allez, sans doute la dernière opportunité, il ne faut pas la rater. Le bon tacle. La passe lobée dans le dos de la défense. Et ce centre. Ah, c'est n'importe quoi de tenter sa chance dans un angle si fermé. C'était pas une bonne idée. À l'instant même, le dernier coup de sifflet de l'arbitre.